Comme chaque semaine depuis la rentrée de septembre 2020, Laurent Ruquier présentera un nouveau numéro de son émission On est en direct samedi 23 janvier 2021, à partir de 23h15 sur France 2. L'animateur réservera comme toujours une très large place aux personnalités issues du monde de la culture au sein de son programme. Pour rappel, les lieux culturels sont toujours fermés en France à cause de la crise sanitaire. Une situation qui dure depuis la mise en place du deuxième confinement en novembre 2020, et qui risque encore de perdurer en cas de troisième confinement. Cette semaine encore, plusieurs écrivains seront présents sur le plateau dont est en direct afin d'évoquer leurs différents ouvrages. Laurent Ruquier recevra notamment l'auteur Yvan Jablonka, qui fera la promotion de son livre intitulé « Un garçon comme vous et moi », l'écrivaine Pauline Guénat, qui parlera de son dernier ouvrage baptisé « La poudrière », et enfin Christophe Bourseiller. Ce dernier défendra pour sa part son nouveau livre titré « Nouvelle histoire de l'ultra-gauche ». Outre la littérature, la musique sera également mise à l'honneur dans On est en direct cette semaine. On est en direct, 11 invités en plateau cette semaine en effet, Laurent Ruquier a convié plusieurs musiciens à se produire dans son émission. L'animateur accueillera notamment une légende de la chanson française en la personne de Laurent Voulzy. Le chanteur interprétera un medley de ses plus belles chansons pour l'occasion. La jeune musicienne Suzanne sera également présente sur le plateau dont est en direct cette semaine. Celle qui a remporté la victoire de la révélation scène lors de la 35e cérémonie des victoires de la musique cette année interprétera un titre de son nouvel album, baptisé Toy Toy. L'actrice Sarah Forestier viendra parler pour sa part du téléfilm intitulé Disparition inquiétante, une affaire personnelle, qui sera diffusé le mercredi 27 janvier 2021 en prime time sur France 2. Laurent Ruquier accueillera également sur son plateau l'humoriste Elise Moon cette semaine. Le danseur, chorégraphe et metteur en scène Mehdi Kerkouche présentera quant à lui le spectacle Essi, qui sera diffusé sur France 5 le 29 janvier 2021. Le dessinateur Xavier Gorce, qui vient de claquer la porte du journal Le Monde après presque 20 ans de collaboration, viendra expliquer les raisons de sa décision à Laurent Ruquier dans On est en direct. L'animateur recevra aussi Olivier Pouls, qui s'expliquera sur son mécontentement suite au verdict rendu par le guide Michelin. Enfin, le jeune pianiste de 17 ans Paul J fera aussi partie des invités de l'émission.